Bonjour chers amis du piano, soyez les bienvenus sur le piano pour le plaisir. Pour bien et vite apprendre ce morceau, je vous conseille de noter sa structure, c'est-à-dire la manière dont on va s'y prendre en termes de forme. Le morceau a trois parties, la partie A, la partie B et la partie A1. Les parties A et partie A1 sont identiques à la différence de deux notes de la fin du morceau. La partie B comporte un matériel musical différent. On va diviser chaque partie de ce morceau dont le nombre se présente comme suit. La partie A va avoir quatre morceaux ou phrases, la partie B deux phrases et la partie A1 quatre phrases. Notez aussi que cette mélodie est écrite dans la mesure de quatre temps avec une anacrouse. Petit rappel, un morceau anacrousé est un morceau qui commence en dehors de la mesure, c'est-à-dire avec une première mesure ou manque des temps. Cela peut être très différent d'un morceau à l'autre. Ici, il nous manque les deux premiers temps et demi. De ce fait, on va commencer le comptage à partir de la deuxième partie du troisième temps, c'est-à-dire et 4 et. Et ça va être valable pour toutes les phrases à venir. Donc, une fois le rythme de la première phrase compris, tout le reste va s'intégrer dans le même schéma rythmique. Écoutez maintenant la première phrase, donc avec la main droite. Positionnez le premier doigt sur le premier sol à droite du do central. Jouez donc cette première phrase avec moi en essayant de bien repérer vos notes. Ne ratez pas les doigtés, jouez-les correctement. Cela va vous permettre d'être fluide et de ne pas admettre des blocages ensuite. Surtout, essayez de bien jouer le mi bémol avec le cinquième doigt tout à l'heure en serrant un peu la position des doigts. Sol, do, mi bémol, ré, do, mi bémol, avec le cinquième qui remplace le quatrième de tout à l'heure. Do, ré, do, la bémol, si bémol, sol. On va compter maintenant. Donc le comptage va commencer à partir du troisième temps. Et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et. Écoutez maintenant la deuxième phrase. Peut-être que vous avez remarqué des similitudes. Il se trouve que les deux phrases sont quasiment identiques à l'exception des trois dernières notes. Observez aussi les doigts utilisés dans ce cas. N'oubliez donc pas qu'on va démarrer au niveau du troisième ton. Mais pour l'instant, on va dire nos notes. Sol, do, mi bémol, ré, do, mi bémol, do, ré, do, sol, sol bémol, fa. Et on compte. Préparez toujours le premier doigt sur le sol. Et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, 1 et 2 et. Pour mieux comprendre, maintenant on va enchaîner les deux premières phrases. Préparez le premier sur le sol. Et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et.
quatre, un et deux et trois et quatre, un et deux et. La troisième phrase. On va rester sur le même fa de tout à l'heure avec le premier doigt. Repérez les notes comme tout à l'heure et observez aussi encore les similitudes qui vont avoir, qu'on va avoir, pardon, tout à l'heure. Fa, la bémol, si, ré. Ensuite, les mêmes notes quasiment. Fa, la bémol, si, et le do qui remplace le ré de tout à l'heure. On va compter. Et, quatre, un, et, deux, et, trois, et, quatre, un, et, deux, et, trois, et. La quatrième et dernière phrase de la partie A. On avait le quatrième sur le do tout à l'heure. Maintenant, on va déplacer la main vers la gauche. On va positionner le premier doigt sur le do. Do, sol, si, la bémol, sol, si bémol, la bémol, la bémol, sol. On change de doigt. Sol, si, do. On compte. Et 4, 1 et 2 et 3 et attention ici, 4, 1 et 2 et on va jouer la partie A en entier. Préparez le premier sur le sol. Et 4, 1 et 2 et 3 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 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et la partie B. Écoutez ça. Première phrase, en réalité, c'est la cinquième. On va dire non, non. Donc, positionnez le cinquième sur le do. Toujours le repère reste le do central. Et 4, 1 et 2. Et 3 et 4 et 1 et 2 et la deuxième partie de la partie B, la sixième phrase générale. Sol, si bémol, sol, fa, la bémol, sol bémol et le pouce passe par-dessous le deuxième sol. En comptant et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. On va jouer la partie A et la partie B rassemblées. Préparez le sol avec le premier doigt. Et 4 et 1 et 2 et 3 et
quatre, un et deux et trois et quatre et 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 un et deux et trois déplacements et quatre et un et deux et trois 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 et quatre et un et deux et. La partie A1. Comme je vous ai informé tout à l'heure, elle reprend le matériel musical de la partie A avec une petite différence à la fin du morceau. Écoutez-la. Attention ici, sol, si, do, en montant. On va la rejouer en comptant maintenant. Et 4, 1, et 2, et 3, et 4, 1, et 2, et 3, et 4, 1, et 2, et 3 et 4 et 1 et 2 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 et 3 et 4, 1 et 2 et 3. Et maintenant, il nous reste juste de jouer l'ensemble de la main droite. Préparer le premier doigt sur le sol et on va jouer toujours en comptant. Et 4. 3, 1 et 2 et 3 et 4, 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 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2
et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 2 et 3 et 4 et 1 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 et 2 et 3. Je répète qu'il vaut toujours mieux de jouer au début lentement, mais bien régulièrement. N'attaquez pas très vite à un rythme rapide pour ne pas prendre des mauvaises habitudes et devoir ensuite ralentir et corriger les erreurs. C'est contre-productif. Un tempo plus soutenu vient plus facilement quand tout est bien ordonné dans notre jeu. Les notes, les doigts et le comptage. Merci d'avoir écouté mes explications. À très bientôt pour le deuxième cours.